Et yo tout le monde, c'est Cutter, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour. Et aujourd'hui on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc il y a après le circuit de New York, le mont Ebouli SI. J'avais déjà le mont Ebouli mais pas le SI, donc je sais pas ce que ça représente. Et là à l'affiche il y a Mario de Metal et ça tombe bien parce que j'ai Mario de Metal. Du coup je vais pouvoir avoir 3 cadeaux dans la boîte. Et je pense qu'à la fin de la vidéo je ferai une ou deux invocations pour vous montrer un peu comment c'est. Ça ressemble beaucoup à Dokken Battle pour ceux qui connaissent. Donc on va prendre le meilleur truc. Hein. J'aimerais bien avoir un nouveau planeur quand même parce que j'en ai toujours pas eu. Et c'est parti. Sans cesser. Attends, c'est un peu fort le son. Non, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ah, mais c'est pas le même. SI. Ah, SI, ça veut dire sens inverse. Ouais, c'est mode miroir. Ah, mais du coup, tu remontes tout. Ah, c'est pas mal quand même. Ah, j'adore. Oh, c'est trop bien. Par contre, ça va être un peu chaud, je pense. Ouh, ah non, attends, quoi? Oh, la descente de l'homme. Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Oh, et je tiens à dire que pour l'instant, j'ai pas touché mon téléphone. Enfin, là, si, mais depuis le début, j'appuyais même pas. Pour ceux qui veulent savoir, je suis un terroriste. Je vais me faire exploser par ma propre bombe. C'est même grave ça. Hein. Oh le méga monté là, avec tous les tremplins là. Ça va être chaud ça. Oh, hop, dans ta gueule, Bowser. Putain, je suis en train de gérer là, il est bon, Bowser. Oh, par contre, je préfère, franchement, je préfère dans ce sens, le circuit que dans le sens normal. Hein. Faut dire qu'il y a un peu qu'est-ce que je... Ah, mais c'est pas Bowser qui est devant moi, c'est... What, c'est bébé. Bébé Peach, ok, elle aime. Oh non, casse-toi le tag d'encre. Heureusement, ouais. Heureusement, dans ma regard tour. Merde, je suis con. Dans mon regard tour, je reviens, c'est qu'on peut effacer les taches d'encre en frottant sur son écran. Là, je trouve que c'est vraiment cool. Oh yes, frénésie. C'est-à-dire qu'en gros, frénésie, c'est quand, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est quand tu fais trois fois, quand t'as le personnage qui vaut 3 et que tu fais 3 fois le même cadeau. Bon, en gros, c'est un méga bonus, c'est invincible et tout. C'est comme quand dans Mario Kart 8, on prend le 8. Okay. C'est ça. C'est très cool ça. Et là on a le cadeau qu'on a eu mais fois infini jusqu'à ce que ça s'arrête. Et en plus on est en mode. Putain. Oh yes. Oh yes. Oh non putain ça m'a touché. Putain non, faut pas que je sois troisième. Quatrième. Mais non, mais non. Putain, mais je me fais défoncer. Je suis premier au dernier moment, je me fais défoncer. Oh non, ça se fait pas. Putain, j'espère que je vais remonter parce que là sinon ça me sauve. J'ai même pas touché sur le côté. Allez, c'est bon, je suis deuxième. Oh, je suis premier. Oh yes. Oh yes, j'ai fini premier. Enfin, c'était chaud là, hein. Mais j'ai réussi. Alors, par contre, je veux vous dire, pour Brawl Star, vous allez me demander pourquoi je suis plus vieux Brawl Star. Ça m'a vraiment saoulé Brawl Star, genre. J'ai plein de potes qu'on est des brawlers légendaires, moi toujours pas et tout, et puis je pouvais plus monter en trophée, j'étais à 7000 trophées et tout, mais tous mes brawlers restaient bien maxés et tout. Ça m'a un peu cassé les couilles, donc j'ai toujours, mais je joue quasiment plus et je pense que je ferai plus de. Pas beaucoup. Oh, je suis monté en classement. Oh, je suis premier! Oh les gars, si je reste premier, je gagne 20 pierres d'invocation. Les amis, bah j'ai pas encore d'amis pour l'instant. Cadeau, y'a quoi? Oh, il y a un véhicule, mais j'ai déjà, il y a 100 pièces. C'est pas mal. Le véhicule, du coup. Non, je peux pas l'upgrade. Je prends un plus pour l'upgrade. Du coup, c'est quoi? Grande course en sens inverse. D'accord. Ok. C'est la teuf. Oh, Copa. Comme ça, j'ai 3 objets. Voiture de Copa. Et hop. J'ai la première place. Ah, je suis obligé d'être premier. Utilisez des objets pour que vous attaquiez vos adversaires à distance et décrocher la première place. Ah, ça veut dire que je suis obligé d'être premier pour passer ça? Non. Quand même pas. Ah, ça part direct? What? Ah, les gars, ils m'ont mis in-game direct.
Il y a plein de copains. Ah, en gros, je pars dernier et je dois arriver premier. C'est ça le délire. Hein. Comme ça, ouais. Merde, merde. Oh, j'ai merdé. J'ai merdé à mort. Bah, par contre, si je suis obligé d'être premier, ça va être chaud. Hein. Je crois que j'étais pas premier, mais je peux quand même avancer. Mais si je peux pas avancer, ça va être vraiment hardcore. Non, mais. Comment tu le loupes, espèce de nous. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu fais, copain? En vrai, ils sont tous regroupés en vrai. Faut que j'arrive à. Yes, j'ai réussi à prendre tout ça, mais j'ai plus pris. Donc, ça sert pas à grand-chose. Les dérapages. What? Il y en a un qui est loin devant. Oh non, c'est moi, je suis premier. Attends, faut pas que je perde là. Oh yes, j'ai réussi, les gars, je suis premier. Putain, yes. Oh, c'est dur. C'est fou, le coup. Il faut être en 150 pour avoir une trésor. Bon, les gars, on a fini cette course. Attends, je suis à combien de temps là? Je suis à 6 minutes. Je pense qu'on va commencer la course d'après. La coupe d'après. Circuit Todd. J'ai déjà fait Circuit Todd. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est de remettre les circuits. Là. Donc là, je suis premier. On va faire une invocation pour vous montrer un peu. Et après, on fera le circuit du Circuit Todd. Donc, acheter un tir. J'espère que j'aurai un nouveau truc. Parce que sinon, c'est un peu galère. Ouais, regarde, ça ressemble énormément à Dokkan Battle et tout. Je vais faire glisser, ça monte et tout. Ça s'ouvre là, la surprise. Oh, nouveau véhicule. Champignon. Ok, c'est pas dégueu, ça passe. Ça passe. Et on va faire un coup le circuit Todd. On va prendre Toddette. Vu que là. Et oh, bah oui, bah, c'est parfait, j'ai eu la voiture pile au moment qu'il fallait. Et oh, mais oh là, je vais être full truc bien là, ça va être cool. Allez, let's go. Circuit Todd. Mais Circuit Todd, j'ai déjà fait ça. Ouais, je vous disais, c'est un peu venime qui remet le circuit, surtout qu'il y a beaucoup de circuits dans tous les Mario Kart, il aurait pu varier un peu quoi. Bon, je pense que. Je pense qu'ils vont créer des nouveaux circuits, surtout que des nouveaux circuits, des nouveaux personnages. Parce que quand on va au bout des coupes, il y a écrit des coupes qui est écrit dans 3 jours, dans 5 jours. Après, je pense qu'il y aura des personnages parce qu'ils disent que c'est la saison de New York. Oh, Frenésie, les gars! Ouais, ils disent que c'est la saison de New York et la saison de New York elle est censée durer. Je spam les bananes comme un gros fou. La saison de New York, elle est censée durer jusqu'à 2 semaines. 2 semaines, donc jusqu'à vendredi ou jeudi prochain. Enfin, dans 15 jours. Et après, je suis pas sûr, mais je crois que ce sera peut-être au Japon, genre Tokyo. Parce que dans le trailer, ils nous montraient le Coupe Tokyo, qu'il y avait la Coupe Tokyo en préparation. Il y avait des Todd à Tokyo et tout qui étaient en train de construire. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Oh, par contre là j'ai fait un combo du turfu mon gars. Et je suis en tête depuis tout à l'heure. Je suis en train de gérer sa grand-mère. Là c'est toutes mes bananes que j'ai spam comme un gros malade mental tout à l'heure. Là je m'approche de la ligne. Là, je vais. Oh ouais, toutes les pièces là. Là, la carapace. Oh les gars! Je me suis pris une carapace rouge juste après l'arrivée. En plus, heureusement que c'était juste après. Hein, parce que, en plus, je me faisais doubler par Daisy à la fin. Ça m'aurait fait tellement rager, les gars. Je vous dis pas. Bon. J'augmente mes points. Yes, 5 étoiles, ça c'est cool. Et, du coup, là, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fini 30, du coup c'est quoi le prochain circuit? Souk Maskès! Oh! C'est un espèce de village oriental. Putain, j'ai jamais vu ça, c'est génial! Enfin un nouveau circuit là. Ouais les gars, jamais vu circuit et tout. Oh, qu'est-ce que tu as toi? Et franchement, j'ai envie de le faire, ça me donne trop envie. Donc, on va faire celui-là. On s'arrêtera
En plus, j'ai Mario de métal. Mario de métal, il a la frénésie. C'est parfait. On prend le champignon, le planeur. Et c'est parti. Ok. Ah, ouais, c'est. Bon, ouais, c'est un gros marché de. Ouais, c'est un espèce de village arabe, un truc comme ça. Oh, c'est génial. Oh, franchement, j'adore ce film. Je la connais bien, je la connais pas, mais rien que de l'avoir vue là. Ça a l'air cool. Et c'est parti. Go, 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 tourne, tourne. Oh, la musique, même la musique de cette map elle est géniale. Oh putain, j'ai la touche. Oh, là j'ai enchaîné les combos. On est dans le marché là, dans le petit marché. Par contre. Quoi, c'est. Il y a des bombes dans. Non, il n'y a pas de bombes. Attends, je comprends. Je me suis pris une bombe alors que personne d'autre s'est pris. Et du coup, je vais jouer. Dernier quand même grosse merde. Et donc, ça va changer, les gars. Par contre, j'ai remarqué un truc qui est pas très bien fait. C'est que, genre, dans Mario Kart 8 et tout, dans les autres Mario Kart, il y a, les premiers, ceux qui sont les premiers et tout, qui te gênent, ils sont vraiment forts. Mais ceux qui sont à la fin et tout, et, les bots, les derniers, ils sont nuls et tout. Et là, j'ai vraiment l'impression que les deux, ils ont même niveau. Ouais, sinon, cette map et tout, là, on est à côté d'un palais, franchement, elle est géniale. Non, mais, ouais, c'est un peu pas très bien fait, je trouve ça. Oh, c'est bien qu'ils aient mis le champion XXL, ça fait plaisir parce que c'est une belle pinceau. Même si en soi c'est un peu comme l'étoile. Sauf que en plus, c'est une belle. Oh, frénésie de bombe en plus. Oh, les gars, je me transforme en terroriste, ça tourne mal. Non, mais les gars, je vais vous démolir. Et je prends même pas. Oh, ils prennent tout. Oh, yes. Oh, mais je suis un gros profiteur, les gars. Oh non, 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 non. Les gars, je passe de premier à cinquième à cause de cette. Oh, je suis septième à cause de cette carapace rouge. C'est n'importe quoi, les gars. Ok. Petit à petit. Là, on a une petite montée. Oh, franchement, cette map, elle est géniale, les gars. Hop. Par contre, si je pouvais reprendre des places, là. Un cadeau bien. Oui, mais oui, frénésie. Je dis un cadeau bien pour vous défoncer. Et là, la frénésie qui sort, mais c'est génial ça. Je vous carbonise votre gueule, les gars. Bon, je serais pas premier. Non, mais. Bowser, t'es là pour me faire chier, toi. Putain, ça saoule là. J'aurais pu être au moins deuxième. Bon, c'est pas grave. 4900 points. Je pense franchement que j'ai les 3 étoiles. Je pense franchement que j'ai les 5, les 5 étoiles. J'ai pas 3 étoiles parce que. Généralement, dans les niveaux, il y a 5 étoiles. Mais c'est pas le cas. Ok, ouais, yes, bon, ça va. C'est cool. Et on va s'arrêter là, je pense. Ok, attendez, c'est juste quoi le premier circuit? Circuit Yoshi. Ah, c'est l'île Yoshi, mais en sens inverse. En mode miroir, ok. Et c'est avec Peach, ok. Bon ben, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous dis ciao !